tous, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de box. C'est une dégustabox, la dégustabox du mois de mai que j'ai enfin fermée. C'était toute une histoire, déjà parce que là où normalement je la reçois, c'est la station service qui est à deux pas de chez moi. Et là avec les pénuries d'essence, elle a tout bêtement fermé. Elle est fermée jusqu'à nouvel ordre. Donc du coup je reçois un mail de dégustabox qui me dit où voulez-vous qu'on l'envoie. Donc on l'a envoyé un petit peu plus loin de chez moi, j'ai dû aller la récupérer. Et puis, sauf que là où je l'ai récupéré, c'est un tout petit café qui est fermé un jour sur deux. Toute une expédition. Donc j'y suis allée ce matin de bonne heure et c'était ouvert et j'ai pu enfin récupérer ma dégustabox. Voilà, je vous la présente tout de suite. Donc, je l'ai déjà ouverte parce qu'il y avait plein de trucs emballés. Donc pour éviter de faire beaucoup de bruit, j'ai déjà tout déballé. Ce sera plus simple. Donc, voilà, elle se présente comme ça. Elle est encore bien garnie. Tout d'abord, vous avez toujours le petit menu avec les prix, de l'autre côté des recettes, donc ça je mets de côté. Et on y va, on y va, j'attrape. Donc pour commencer, deux petites bières Pelfort, alcoolisées forcément, hein, qui sont aromatisées. Donc celle-là elle est à base d'orange et d'orange sanguine, et celle-là Pert Pelfort Radler, donc elle est au citron. Donc ça, Chouchou les a vus, a dit c'est pour moi. Mais bon, je pense qu'à l'apéro, ça doit pas être mal. Les petites bières, donc elles venaient emballer toutes les deux. Ensuite, j'attrape du jardin d'orange, des mini cornichons doux, hot, donc piquant. Et apparemment, ça a été fait en collaboration avec le chef Marc Vera. Pourquoi pas, j'aime bien les cornichons. Ensuite, sans sucre, ajoutez une cup. Donc, cup de fruits, ananas, ou jus Rochefontaine. Donc, ouais, moi, j'aime bien ça à la fin d'un repas. Croqué. Pourquoi pas. 5 fruits et légumes par jour, Anis. Ça, fruits. Ensuite, une sauce Sriracha, hot chili sauce. Donc, ça, c'est très bien parce que de temps en temps, je fais des chilis. Et je mets la sauce qu'il y a avec les trucs là, mais franchement ça pique pas, et ça peut être très très bien. Donc Sriracha hot chili sauce, ça j'ai vu, j'ai dit sirop de framboise rose, ça doit être bien. J'aime bien tous les petits goûts originaux comme ça, la violette, moulin de Valdonne, l'atelier, le savoir-faire du sirupier. Donc l'atelier Moulin de Valdonne vous propose une gamme de délicieux sirops parfums originaux et authentiques. Donc c'est pour les cocktails, pour mettre dans l'eau, hein, pourquoi pas. Ouais, ça peut être bien. Ensuite, j'attrape ça. Mélange de noix de cajou grillées, cranberry sucré séché de la marque Seaburger. Donc ouais. Ça j'aime bien le soir pour grignoter tranquille devant l'ordi, devant la télé, pas mal. Ensuite, Kerr Cadillac, ça j'aime bien, les petits gâteaux. Donc c'est des petites bouchées à la noisette. Des petits gâteaux à la noisette. Goût typé de la noisette enchantera vos papilles pour un moment de plaisir et de gourmandise, seul ou avantagé. À mon avis, ce sera plus seul. Moi les gamins, ils aiment pas tout ça. En plus, c'est bien, il y a un petit bon d'induction dessus. Moi les miens c'est très chocolat chocolat, tout ce qui est sans chocolat dessus ils aiment pas, donc ça ce sera très bien pour moi. Alors ça, j'ai le gosse, il a vu ça, il a dit waouh, des têtes brûlées, trop bien. Voilà, donc ça ils sont déjà destinés aux garçons, têtes brûlées. Alors je suis une vieille, hein, je n'ai jamais goûté une tête brûlée, donc je sais absolument pas quel goût ça. J'en ai reçu deux, donc c'est des barres de céréales, ça aussi c'est très bien. Nature Valley Crunchy Oats and Dark Chocolate. En blague comme ça. Et j'en ai reçu une deuxième, Oats and Honey, de la marque Nature Valley. J'aime bien, moi je suis fan des. Je suis fan des barres de céréales. Donc ça pour moi aussi. Alors ça, Côte d'Or, fruits. Alliance unique du chocolat noir Côte d'Or et des pépites de fruits. Ouais, ça peut être bon, et a priori c'est de l'orange. Chocolat noir, fourrage confiseur, aux pépites à l'orange. Bon, j'ai reçu des petits papiers. Donc là, c'est une petite cube sur Nature Valley. Ah, pareil, avec un petit bon de réduction.
La sauce chili, donc j'ai 3 euros de réduction pour l'achat de 3 produits, Gotan. Et là, en fait, c'est ce qui va avec la sauce chili, c'est un petit livret pour cuisiner wok tous les jours. Voilà. Et dedans, il y a des petites recettes. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal. Franchement, ouais, vous avez plein de petites recettes là. Ouais, j'aime bien. Franchement, pratique. Et vous avez pour finir 2 paquets de Vaza. Alors ça, c'est la biscotte que je connais depuis que je suis toute petite. Ma mère, elle en a acheté. Donc celle-ci, fibre, Vaza fibre, riche en fibres, 67% de farine complète et 29% de fibres. Donc celle-ci. Et vous avez ensuite la Vaza LDG, 100% farine complète, 22% de fibres. Et ça, c'est très bien pour ça. Voilà. Moi, je les utilise principalement, de temps en temps, j'en achète pas tout le temps, mais pour faire des toasts. Des toasts avec, vous mettez du boursin en dessous, bon, c'est ce que je mets, ce truc de saumon. Là, comme celui-là, avec un petit peu de fromage et des tomates. Très très bien. Et je pars. Ma boîte est vide. Donc, c'était tout pour la Dégusta Box de ce mois-ci. Donc, nous allons récapituler tout. L'appel forte, 70 centimes. Une. Donc, ça fait 1,40€ les deux. Alors, je me suis munie de ma calculette. Pour calculer. Alors, à la base, donc, allez, je l'ai payé 15€. Donc, pour calculer à combien elle nous revient. Voir si elle est rentable ou pas ce mois-ci. Donc, ensuite, le Caire Cadillac, 2,10€. 2,10€. Ensuite, la petite cup, 1,65€. Hop. Ensuite, vous avez les petits cornichons. Hop, ils sont à 1,95€. Ensuite, on a 2,69€ le chocolat. Ensuite, la Vaza, donc c'est la Vaza léger, celle-ci, 1,45€. Ensuite, nous avons forcément la Vaza fibre, qui est à 1,45€ également. Ensuite, nous avons, je cherche le Cyberger, donc c'était les cranberries. Qui est à 3,79€, je vais pas donner hein, quand même, hein, je trouve. Ensuite, on a la sauce chili qui est à 2,81€. Ensuite, nous avons les deux petites barres de céréales, 1,50€ les deux. Ensuite, nous avons le moulin de Valdon, donc le sirop à la framboise rose qui est à 2,45€. Voilà, et là forcément, je me suis trompée. On recommence tout. Attendez, attendez, je calcule. 1,40 plus 2,10 plus 1,65 plus 1,95. Oh là 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 là, je vais pas y arriver. C'est les aléas du direct. Hein. Parce que comme je vous dis, moi, je monte très difficilement avec Movie Maker. Et pour faire des coupes dans ce que je filme, c'est un peu difficile. Oui, là, je parle pour meubler un petit peu. Ah. Donc, quand je monte, en fait, j'espère faire le moins de coupes possible. Hop, c'est bon. Non, plus 1,50, plus 2,45. Et on en arrive donc au dernier produit qui est gratuit, apparemment. Ce sont les petites têtes brûlées. Donc, quand je fais le compte de la boîte, en tout, donc je la paye, je vous rappelle, 15€ frais de port. Inclus puisque c'est en mondial relais, la boîte au final te ramène 23,24€. 8,24€ d'économie. Bon, après, soyons honnêtes, moi c'est des produits, franchement, peut-être pas pour tout, mais c'est des produits que moi j'aurais pas de moi-même acheté. Hein, donc ça permet de découvrir, ça permet de goûter, c'est super. Moi, je dis pas. C'est ma dernière Dégustabox. Je me suis désabonnée parce que sur les conseils de Laetitia Gâteau. Oh, bonjour Laetitia, gros bisous si tu passes par là. Je vais essayer d'autres box. Il y a la Itur Box qui m'a pas l'air mal. Et je vais essayer de voir ce que ça donne. Après, je dis pas que je reviendrai pas dans la Dégustabox hein, puisqu'elle est pas mal. Donc, mais j'ai envie de tester d'autres box.
Donc, testons d'autres box. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie d'être présent sur ma chaîne. Ça me fait plaisir, ça m'encourage. Franchement, vous êtes des amours. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. J'essaye de vous faire des vidéos comme je suis. Je suis moi, voilà. C'est ça, le secret. C'est être soi. Je vous souhaite un bon week-end parce que là, moi, quand je filme, il est samedi, ensoleillé. En plus, aujourd'hui, on a vraiment de la chance. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. Je vous aime, à bientôt.